Je vous invite à vous lever pour la proclamation. Avec les paroles de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Dieu a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, et c'est Dieu lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Ainsi, la connaissance de sa gloire a resplendi dans notre vie, et c'est la même gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Dans nos obscurités, Seigneur, nous accueillons ta lumière, et avec elle, nous recevons ta grâce et ta paix, celle que tu nous renouvelles de jour en jour. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je vous souhaite la bienvenue en ce temple de Champel, dans la joie de célébrer ensemble avec Daniel et Françoise, avec Daniel qui a tout préparé, avec Tigrane qui est là malgré son poignet encore bien malade, mais qui est là, avec Basile qui est là aussi pour nous donner la joie de revoir le culte, ou en tout cas pour que ceux qui ne sont pas là soient quand même avec nous, même en replay. Et puis avec May et Marianne qui tout à l'heure nous serviront l'après-culte. Eh bien, ça fait une belle équipe pour cette bienvenue et merci d'être là. Nous pensions qu'il y aurait peut-être très peu de monde, mais vous êtes là et c'est magnifique. C'est très bien, nous allons vivre un beau culte ensemble. J'ai préparé un feuillet qui a l'air un peu compliqué, mais pas tant que ça. Donc, le premier feuillet, bienvenue au culte, c'est le feuillet habituel. Et puis, le deuxième, de 1444 à 1544, c'est un feuillet que vous pouvez lire ouvert, comme ça, parce qu'à droite, vous avez le tableau, et à gauche, vous avez l'explication du tableau. Et à l'intérieur, vous avez l'histoire de Genève, de la réforme avant la réforme, parce qu'on parle toujours de la réforme après la réforme, mais j'ai beaucoup réappris, je le savais plus ou moins, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce petit résumé de ce qui s'est passé pendant un siècle jusqu'en 1444, en vous rappelant que Calvin est mort en 1564, donc 20 ans après. Mais j'ai arrêté à ce fameux 1544 pour faire un rappel pour ceux qui le savent et peut-être une information intéressante que vous pourrez lire à la maison, sinon à midi, nous sommes encore là. Je ferai quelques allusions au tableau, puisque c'est lui un petit peu la star. Donc ce tableau, vous le connaissez, c'est la pêche miraculeuse qui est au musée d'art et d'histoire et qui a été livré en 1444 par le peintre Conrad Witz. Et c'est une œuvre majeure dans l'histoire de l'art parce que c'est la première fois, semble-t-il, qu'il y a une scène biblique, et même deux, représentée sur un paysage tout à fait réaliste qui n'est autre que Genève. On reconnaît bien le Salève, le Môle, les Voirons, la rive des eaux vives prise depuis la rive des Pâquis et à droite la ville. Je vous prie de commencer en nous recueillant dans la prière de louange. Ô Seigneur, tu n'as pas d'autres yeux que les miens pour regarder avec amour celles et ceux qui m'entourent. Tu n'as pas d'autres mains que les miennes pour apaiser et soigner celles et ceux qui souffrent. Tu n'as pas d'autres oreilles que les miennes pour écouter celles et ceux qui ont besoin d'attention et de bienveillance. Tu n'as pas d'autres pieds que les miens pour aller à la rencontre de celles et ceux qui te cherchent et qui ont de la peine à te trouver. Pourtant, tu es là
si proche de chacune et de chacun. Et souvent, c'est nous qui ne sommes pas là. Seigneur, merci pour mon corps que tu as façonné, pour chacun de mes membres qui peuvent parler de toi, pour tous les dons que tu dispenses à chacune et à chacun de nous, et aussi à ton Église. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons. Que notre célébration soit remplie de ta grâce par la puissance de l'Esprit Saint et que nous entendions la parole que tu nous adresses personnellement aujourd'hui. Amen. Et nous poursuivons notre louange avec le cantique 45 qui est de fait le psaume 92, mais dans psaumes et cantiques, c'est bien le numéro 45. Certes, c'est chose belle de te louer, Seigneur. À vous asseoir. Et nous voulons lire dans le cantique 163 cette loi du Seigneur. Vous savez que dans notre tradition protestante, ce n'est pas par nos œuvres que nous gagnons les faveurs du Seigneur, mais c'est par notre reconnaissance de pouvoir vivre sa loi. Et même si on n'arrive pas à tout faire, et c'est impossible, il nous pardonne d'abord. Il est un Dieu de la grâce et de la miséricorde. Et du coup, nous pouvons le remercier en agissant en son nom. Nous lisons donc au numéro 163, le sommaire de la loi, comme il est raconté dans l'évangile de Matthieu. Voici
comment notre Seigneur Jésus-Christ a confirmé la loi de Dieu dans l'Évangile. Avec moi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu nous connais et tu nous reconnais, tels que nous sommes des êtres d'ombre et de lumière. Au regard de ta loi d'amour, tu sais le bien que nous voudrions bien faire, et nous ne le faisons pas, toujours. Tu sais le mal que nous ne voulons vraiment pas faire, et nous le faisons, parfois. Ô Seigneur Jésus, ne nous laisse pas couler dans l'eau profonde de nos doutes. Mettons-nous la main comme à Pierre autrefois. Et par la force de ton pardon, renouvelle notre foi. Et aussi, Seigneur, parfois ou souvent peut-être, nous passons à côté de toi sans te voir. Nous pensons que tu es une sorte de fantôme ou même une illusion qui ne peut pas venir nous soutenir dans nos tempêtes. Ô Seigneur Dieu, ne nous laisse pas gâter notre relation avec toi et relève-nous par ton pardon. Qu'ainsi, par le souffle de l'Esprit, nous soyons enveloppés de ta confiance pour ressentir ta présence si mystérieuse, si puissante et si aimante. Seigneur, pardonne notre petite foi qui doute et viens, oui, reviens, car nous t'attendons pour la route. Je vous invite à vous lever pour entendre les paroles de grâce. Le Seigneur nous dit simplement, fais-moi confiance, comme moi, je te fais confiance. Relève-toi, avance, avance même en eau profonde. Grâce à ta foi courageuse, tu trouveras des trésors dans la paix, l'espérance et l'amour partagé. Fais-moi confiance comme moi je te fais confiance, dit le Seigneur. Viens, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Parole du Seigneur. Amen. Et nous chantons notre reconnaissance au cantique 67. De tout mon cœur, je veux chanter Dieu, au cantique 67. Thank you.
Et nous écoutons les deux passages d'évangile qui sont les scènes du tableau, en fait. Alors, Évangile de Luc 5, 1 à 6, avance en eau profonde. Un jour, Jésus était au bord du lac de Génézareth, pressé par la foule. Il vit deux barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. La seconde lecture est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, les versets 23 à 31. Après le partage des pains, Jésus renvoya ses disciples en barque sur le lac de Génézareth. Il monta à la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre, battue par les vagues contre le vent. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur l'eau. En le voyant, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme !» disait-il, et ils criaient de terreur. Alors Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » Mais Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Viens, lui dit Jésus. » Pierre sortit de la barque et marcha vers Jésus. Or, voyant la force du vent, il eut peur. Et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main pour le saisir et lui dit, « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Et maintenant, nous allons chanter au cantique numéro 214, la première strophe. Je vous invite à vous lever. Avance en eau profonde. Cet homme qui se tient au bord du lac de Génézareth, de Tibériade, c'est le même, est déjà pressé par une foule qui veut l'entendre et qui en redemande. Si compacte, si avide, qu'il doit s'éloigner d'elle et parler depuis un bateau. Car Jésus a des paroles étonnantes et même détonnantes qui transforment radicalement la vie par de vraies guérisons du corps et de l'âme.
La foule aime ça. Elle en a besoin. Mais Jésus voit aussi ces pécheurs dépités par une nuit glauque et un labeur aussi ardu que stérile. Ils n'ont rien pris, et pourtant, ils sont du métier, ils savent s'y prendre, ces pécheurs de naissance. Alors quand soudain Jésus dit à Simon une phrase aussi imprévisible qu'absurde, Simon avance en eau profonde et retourne. Non, répond Simon. Non, je n'irai pas, nous sommes fatigués. Nous n'avons plus le courage et il n'y a rien à prendre là-bas. Vraiment, car toute la nuit, nous avons essayé et cela n'a rien donné. Simon avance en eau profonde. Puisque tu me le demandes, bon, je vais aller jeter une fois de plus les filets. Mais franchement, ce n'est pas de gaieté de cœur. Et c'est juste pour te faire plaisir. Nous les connaissons bien, ces phrases obligées de politesse et du pas en vie. Mais la suite donne tort à Simon, car la quantité de poissons est énorme et stupéfiante précisément à cet endroit-là. Comme ces filets, Simon commence à se déchirer intérieurement, déjà de peur devant ce phénomène qui le dépasse, et peut-être aussi à cause de sa déception, d'avoir manqué de confiance envers cet homme exceptionnel qu'il apprécie et qu'il a décidé d'accompagner vers l'inconnu en un avenir très incertain. Disciple attachant, ce Simon-Pierre, car je trouve que nous lui ressemblons un peu et parfois beaucoup. Fougueux, cash, comme on dit aujourd'hui, sans détour, et en même temps parfois à côté du bon sens, tout perdu et déchiré que nous sommes comme lui, entre notre cœur et notre raison. Car au fond, ce Jésus, aujourd'hui encore, il nous invite, nous aussi, à oser les décalages. Ici, le décalage, c'est cette parole incongrue de Jésus que l'intelligence ne peut pas accepter. Cette parole qui nous appelle à poser un regard différent sur telle ou telle réalité que nous pensons connaître. Un nouveau regard, un saut dans la confiance, que pourtant nous savons sans doute aussi bien vivre que Simon, lorsqu'il a suivi ce maître, cet homme, à ses risques et périls, lâchant tout pour accomplir une nouvelle vocation, une nouvelle mission sur cette terre. Il lui a dit « Tu seras pêcheur d'hommes ». Il le faisait, sans aucun doute. Et voilà que toujours dans son domaine d'excellence, sur sa barque de pêcheur, il lui arrive une nouvelle épreuve. Et cette fois, au milieu de la nuit, au milieu d'une tempête qui se lève, et vous savez qu'à l'époque, le lac, la mer, était l'objet d'une terreur, déjà calme. Et son intelligence croit voir marcher un homme sur l'eau, et ce genre de phénomène insaisissable et incontrôlable dans une situation déjà si précaire et troublante, sans doute que ça peut faire naître une peur irrationnelle. Et Jésus, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Je trouve que Pierre a une réaction remarquable. Il se ressaisit car il veut comprendre, il veut des preuves, et ça commence toujours par des « si ». Osant le tout pour le tout, il provoque Jésus. « Si c'est toi, si c'est bien toi, alors fais que je marche
vers toi. Quelle drôle d'idée, impossible à envisager et encore moins à réaliser. Fais que je marche sur l'eau vers toi. Eh bien, viens, lui dit simplement Jésus. Alors encore plus stupéfiant, Pierre sort de la barque et marche bel et bien sur l'eau. Et ça marche. C'est incroyable. Aïe, le mot est lâché. C'est incroyable, on ne peut pas le croire. Alors, c'est la parole de trop. Je vois ce vent, je vois ces vagues, je vois cette eau qui me porte. Mais qu'est-ce que je fais là? Forcément, c'est impossible. Et voilà que le doute le fait couler et qu'il se met lui-même en danger de mort parce qu'il n'a pas cru jusqu'au bout que l'impossible était possible quand Jésus lui-même l'a invité à venir et à lui faire confiance. Cette poussée d'intelligence qui commence toujours par des « si » pour obtenir des vérifications logiques. Si c'est vrai, si c'est bien toi, si tu as vraiment le pouvoir de nous sortir de là, alors quoi? Alors que je le fasse aussi. Et là, on est vraiment de nouveau hors du chapitre de l'intelligence. On est vraiment décalé de la réalité. On demande l'impossible. C'est impossible, d'accord, seulement possible pour Dieu. Mais on le demande au chapitre de la foi seule. Sola fide, disaient les réformateurs. La foi seule. Et donc Pierre réussit encore une fois le décalage. Sa confiance en Jésus a bel et bien gagné de nouveau sur sa propre intelligence des choses normales. Car l'intelligence qui se défend en appelant la peur à son aide, elle a réveillé le doute. Et au moment même du doute, Pierre s'est mis à couler. Cependant, la foi se bat bien, elle aussi. Car au moment de sombrer dans les flots et gagné par la peur de mourir, Pierre en appelle à son maître au milieu du vent déchaîné, « Seigneur, sauve-moi ». Jésus le sauve. Pierre est quitte. Pierre est quitte, par sa foi il a gagné et il est resté vivant. Quoique, malgré tout, Jésus lui reproche sa petite foi. C'est pas grave, mais quand même, tu as manqué de foi. On dirait un peu le combat de Jean Calvin. Lui qui mettait sa vie, son intelligence, sa théologie au service de cette parole, le fameux Soli Deo Gloria, à laquelle il voulait et que nous devons encore nous soumettre avec persévérance, même si les apparences sont trompeuses pour la raison. Et dans les récits évoqués, c'est au final la preuve que la confiance en la parole de Dieu est efficace, efficiente, ça marche. C'est elle qui est primordiale au cœur de nos réalités, même éprouvantes. Et donc, c'est ce Jésus qui peut apaiser le vent de nos tempêtes aussi. Et donc, c'est Jésus qui ramène Pierre dans la barque, vivant, et qui nous ramène parfois en sécurité. Et donc, ce sont les autres disciples qui le reconnaissent comme un être venu d'ailleurs. Le Fils de Dieu, disait Jésus, en tout cas un sauveur, un maître et un frère. Tous ces décalages, je trouve que ça fait réfléchir. Par exemple, nous, chacune, chacun de nous, comment vivons-nous la parole de Dieu quand elle nous est personnellement adressée
au détour surprenant d'un événement de notre vie. Nous pouvons peut-être nous amuser à l'utiliser à nos fins stratégiques, et c'est en effet ainsi, petite parenthèse, que le duc de Savoie, Amédée VIII et autres commanditaires intéressés, comme l'évêque François de Metz, agissent. Par message subliminal du paysage de richesse, de paix, le tableau devient un outil stratégique et politique avec ces deux scènes. Mais le but, c'est de s'acquérir une ville convoitée depuis trop longtemps. Un paysage serein, riche et magnifique, c'est Genève. Et à ce moment-là, nous sommes loin de cette parole de feu et de ciel. Anselme de Canterbury disait, qui est contemporain d'ailleurs du peintre Conrad Witz, il disait « C'est l'épreuve de l'intelligence questionnant la foi et de la foi questionnant l'intelligence. » Nous sommes toujours dans cette ambivalence. Oui, il est bien là l'éternel décalage des croyants. Et il ne se résout pas tout seul, par un coup de baguette magique. Il nous requiert au contraire, tout entier, dans notre profondeur et notre capacité de nous remettre en question. Pour un combat intérieur qui peut s'étendre parfois sur des années, au travers d'autres épreuves, d'autres expériences que la vie nous sert et nous resserre. Ce panneau du retable de Saint-Pierre, il a été miraculeusement sauvé de la destruction au temps de la Réforme. Et c'est peut-être aussi grâce à une sorte de conviction profonde quant à la valeur de ce tableau et du message qu'il transmet. Alors, si vous le pouvez, prenez le temps d'aller le contempler sur place, au musée d'art et d'histoire, au deuxième étage. Il a une salle immense pour lui tout seul. Vous verrez les autres panneaux du retable qui sont aussi très intéressants. Mais en contemplant ce paysage de la pêche miraculeuse et de la marche sur les eaux, donnez-vous ainsi le cadeau d'entendre ou de réentendre cette parole que Jésus-Christ semble nous adresser à nous aussi, au plus profond de nos difficultés, de nos peurs. Avance en eau profonde et viens. Cela peut nous sauver de nos déchirures et même, le cas échéant, nous sauver la vie. Soli Deo Gloria, sola fide, grâce à notre foi seule et grâce à la seule gloire de Dieu.
Dans l'ouverture du repas du Seigneur que nous allons vivre et célébrer ensemble, je vous invite à dire notre confession de foi au numéro 169. C'est le symbole des apôtres qui nous vient du fond des siècles et qui était aussi prisé par Calvin lui-même. 169. Je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il a forcé le séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts, et la vie éternelle. Amen. Nous prions. Oups. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin fruit de la terre et du travail humain. Nous les avons préparés. Nous les présentons sur ta table. Ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel en ton festin. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous bénis, chacun, chacune personnellement, et aussi ensemble, nous qui formons le corps de ton Christ. Tu es notre Dieu trois fois saint. Et nous chantons au cantique 129. Saint notre Dieu, le Tout-Puissant Seigneur. 129. Ô Dieu, le Tout-Puissant Seigneur. Prière d'intercession. Nous te remercions, Seigneur éternel, pour ce repas qui nous redit ta présence dans notre vie et dans notre monde. Avec toi, Seigneur, nous parlons, nous aimons, nous agissons en ton nom pour la paix, pour la réconciliation, pour la communion dans le respect des différences. Unis autour de ta table, Seigneur, nous nous présentons les uns les unes et les autres dans la prière de compassion. Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent, pour les victimes de la guerre, de la maladie, de la cruauté humaine. Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et ceux que tu confies toi-même à notre amour, à notre amitié, à notre responsabilité. Nos familles, nos proches, nos voisines, nos voisins, nos amis et nos connaissances, notre Église en ton nom, visible et invisible. Nous t'en prions, Seigneur, fortifie notre foi, notre amour et notre espérance
pour accomplir notre vocation et notre mission à ton service, là où tu nous as placés sur notre terre des vivants. Et ensemble, nous rassemblons toutes nos prières dans la prière universelle de tes enfants. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu comment Jésus a vécu son dernier repas et comment ce dernier repas est devenu aujourd'hui le nôtre. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez, mangez, ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui confirme l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, ce vin nouveau dans le royaume de mon Père. Ils chantèrent ensuite les chants de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Seigneur, nous t'en prions, envoie sur nous ton Esprit Saint, afin qu'en mangeant ce pain et en buvant à cette coupe, nous soyons porteurs de ton amour et de ta vie, donné pour le monde en signe de ton royaume éternel. Qu'ainsi ensemble, nous soyons vraiment ton corps visible dans la reconnaissance, dans la confiance et dans la joie. Le pain que nous rompons. Et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné par amour pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la coupe qui scelle notre alliance en Dieu par Jésus-Christ, qui s'est donné pour que nous soyons toujours pardonnés et vivants au travers de toutes nos épreuves et de toutes nos joies. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui nous invite. Est-ce que nous faisons un défilé ou un cercle? Qui va choisir? Thank you.
Nous te remercions, Seigneur éternel, pour ce repas qui nous redit encore et toujours ta présence dans notre vie, dans notre monde. Merci de nous accompagner, d'être avec nous sur la route, de nous appeler toujours à venir à toi et de nous aider à avancer en eau profonde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Des annonces et de l'offrande. Je vous propose de la faire pendant les annonces et puis nous chanterons après en lien avec la bénédiction. Alors, pour les cultes, vous avez des choses indiquées sur votre feuillet. Dimanche prochain, souvenez-vous, dimanche prochain est un jour très spécial. Ça va, on a le temps, on peut dormir une heure de plus. Le problème, c'est en mars, parce que quand on se réveille et qu'on n'a pas changé l'heure, on va arriver en retard au culte. En septembre, tout va bien, mais il faut quand même... qu'est-ce qu'il faut faire? Reculer la montre pour avoir une heure de plus, je crois que c'est ça. En tout cas, on dort une heure de plus, n'oubliez pas. Donc, le culte aura lieu déjà ce soir, un culte à la chapelle de Champel par le pasteur Marc Pernaud avec Didier Godel à l'orgue. Dimanche prochain, après notre sommeil, le culte par le pasteur Emmanuel Fuchs au temple de Champel à 10h. Et nous pensons tout particulièrement à lui et à sa famille. Il est parti en vacances et il se fait du bien. Et puis, d'autres annonces comme une étude de la Bible. Vous savez, c'est ce fameux cours biblique. Françoise. C'est un laboratoire. Il parle d'un laboratoire communautaire. En fait, c'est un cours par correspondance, qui est très intéressant, de décembre à juin. C'est l'office de formation professionnelle, l'OPF, qui le propose. C'est toujours un très beau, parcours. Cette année, ça s'intitule un laboratoire communautaire, vivre en chrétien au 1er siècle. Et il y a une traversée des épîtres de Paul et des actes des apôtres. Vous trouvez ce feuillet bleu sur le panneau que Daniel a présenté là-bas, à la sortie, du côté de l'orgue. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme annonce? J'avais tout noté. Ah ben oui, ben jeudi, notre rendez-vous grand âge. Pour tous les âges, que les personnes qui sont dans le cœur de Martine et les autres, justement, qui Martine Lesemann, qui a proposé de monter ensemble ce rendez-vous, eh bien, que les personnes, justement, qui sont peut-être pas dans une résidence, qui n'ont peut-être pas beaucoup de compagnie ou qui ont de la peine à venir au culte le dimanche matin et comme ça, mais qui ont plein de questions, plein d'envie de partager, alors venez, soyez les bienvenus. C'est vraiment pour vous que nous vivrons ce rendez-vous jeudi prochain, le 24, à partir de 14h45. Le partage commence à 15h à la chapelle, et puis après, il y aura d'autres moments plutôt dans le centre, dont un petit goûter pour terminer de partager autour de ce que vous voudrez. Et puis, les personnes qui ne sont pas de grand âge, qu'est-ce qu'on va dire? Plus 80, ça va? Ça ne froisse personne? Ou voilà, eh bien, venez aussi. Parce que les personnes de grand âge ont besoin des personnes plus jeunes. Donc, je crois que vous ne le regretterez pas.
Voilà, la publicité est faite et je me réjouis de vous accueillir jeudi prochain, 24, dès 3h moins quart à la chapelle de Champel sur une idée de Martine Lesemann. Il faut rendre à Césarine ce qui est à Césarine. Est-ce qu'il y a d'autres offrandes, quelque chose que j'aurais oublié? D'accord. Alors, nous prions pour l'offrande. Toi, Seigneur, qui nous as tout donné, tu nous as aussi donné la générosité et l'évidence de partager nos biens pour le bien de ta communauté. C'est dans la reconnaissance que nous te demandons de bénir les personnes qui vont gérer notre offrande à ton service et de bénir les personnes qui en recevront les bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter d'abord au cantique 144, puis accueillir la bénédiction du Seigneur. 144. Accueillons la bénédiction du Seigneur qui nous envoie sur nos routes et dans nos journées quotidiennes. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, veille sur nos cœurs et sur nos pensées, dans le Christ Jésus, par l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs, soyons bénis dans sa joie. Amen. Je vous invite à vous asseoir.